Bonjour. Alors déjà, merci à tous de venir un vendredi matin après le cocktail d'hier. On vous remercie beaucoup de votre courage. Mais vous avez bien fait de venir parce qu'aujourd'hui, vous avez 8 conseillers numériques et coordinateurs qui vont vous présenter 7 initiatives surprenantes, voire exemplaires, qu'ils ont mis en place sur leur territoire. Et donc, je vais tout de suite passer la parole à Romain pour présenter la sienne. Bonjour. Je vais me lever, oui. Alors, Romain Bussière, je suis coordinateur régional de l'inclusion numérique pour les Hauts-de-France à la Croix-Rouge française. Donc, je viens vous présenter une activité musique assistée par ordinateur qu'on a mis en place sur le territoire du Nord à la Croix-Rouge, dans un établissement qui s'appelle le Pôle 59, où on accueille des personnes en situation de handicap qui sont sur le spectre autistique. Donc l'idée, pour vous donner un petit peu de contexte, c'est qu'il y a un an et quelques, je commençais mes ateliers à la Croix-Rouge française en tant que conseiller numérique. Et je faisais mon premier atelier, donc j'arrivais tout confiant, tout content de moi, avec mon truc tout prêt. Et il se trouve que mon atelier création et utilisation de boîte mail, s'est avéré ne pas être super adapté à mon public. J'avais un public avec certaines personnes qui ne savaient ni lire ni écrire, donc envoyer des emails pour eux, c'était pas super pertinent. J'avais un public dont certaines personnes n'avaient jamais allumé un ordinateur, donc créer une boîte mail, c'était pas super pertinent non plus. Et donc, de cet essuyage de plâtre, disons-nous, j'ai dû réfléchir à une nouvelle façon d'aborder le numérique avec eux. On est passé par différents outils, on a fait des petits jeux d'accessibilité qui étaient franchement pas terribles parce que souvent c'était des choses qui étaient assez infantilisantes en fait par rapport à notre public qui était quand même assez âgé, c'était des adultes essentiellement. Les petits ateliers cours de récré.com, ça allait 2 minutes quoi, mais voilà, c'était pas très adapté. Et finalement, à un moment, on s'est rendu compte que peu importe à quel point on essayait d'adapter, il y avait toujours une partie du public qui n'était pas réceptive à nos ateliers, parce que voir un écran et interagir avec un écran via un périphérique, bah, c'était pas quelque chose d'évident pour eux, en fait. J'appuie sur une touche, il se passe quelque chose sur l'écran, donc pour la plupart d'entre nous ici, c'est quelque chose qu'on fait naturellement tous les jours. Pour eux, ça, c'était pas évident du tout que ça se passe sur l'écran, donc en fait, c'est la sortie visuelle qui n'allait pas. Des fois, certains ne regardaient même pas l'écran, en fait, ils appuient sur le bouton. Mais... Et un jour, je suis en atelier et je vois une partie de ma petite équipe de bénéficiaires qui se met sur le côté, sur un tapis de gym, parce qu'on était dans un gymnase, et ils se mettent à taper en rythme sur le tapis et ils ont l'air de bien s'éclater et en plus ils sont bons en fait, ils gèrent bien le rythme quoi. Et je me suis dit bon bah la musique pourquoi pas en fait, ça peut être un truc intéressant. Et de là je pars sur cette idée de musique assistée par ordinateur. Donc on se procure une licence sur un logiciel qu'on appelle un DAW, donc pour Digital Audio Workstation, DAW. On lance le truc, on se rend compte qu'il y a déjà un intervenant sur place qui fait de la musique, un EduxPay qui est référent musique sur l'établissement, donc ils ont déjà effectivement des petites bases en musique, ce qui explique leur compétence sur la rythmique que j'ai évoquée plus tôt. Et donc du coup, on lance le truc et puis on mélange un petit peu ce qu'ils font avec les instruments de l'éducateur et avec mon clavier. Donc moi, j'avais ramené un petit clavier MIDI avec des pattes qui s'allument quand on appuie dessus, ce qui n'enlève rien au charme du truc. Et surtout, quand on appuie dessus, il n'y a plus une image, mais un son qui se produit, en fait. Et là, du coup, l'interaction devient beaucoup plus évidente. Ils n'ont pas besoin de regarder. Et quand on y pense, la plupart des gens, en fait, même regardent le clavier quand ils utilisent le clavier et pas l'écran. Donc là, on peut regarder où on veut. Quand on appuie, le son, on l'entend, on comprend l'interaction assez facilement. Donc, en plus de leur faire comprendre que l'interaction existe, ils s'éclatent. Clairement, ils veulent plus lâcher le truc. Enfin, bon, ça, du coup, le succès est immédiat. Et on finit par avoir un petit... Alors là, je ne sais pas si je peux le... Voilà. On va essayer de vous lancer un petit... Alors, du coup, j'avoue que j'avais prévu de le lancer avant et que je ne l'ai pas fait. Donc du coup, on ne peut pas se l'écouter en entier. Je ne voudrais pas prendre toute la place de mes homologues. Mais voilà, bon.
ça donne ce morceau-là qu'ils ont du coup monté tous ensemble. Mélange de ce qu'ils ont joué, qu'on a enregistré donc avec les Dux P et de trucs purement électroniques. C'est quasiment que l'électronique, hein, là, en vrai, comme vous l'entendez certainement. Écoutez, je vous laisse sur ce petit moment musical du coup. Merci beaucoup de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous lever et à danser si vous en sentez l'envie, que je ne sois pas le seul debout dans cette pièce. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup Romain. Je vous rappelle que les présentations seront partagées, donc vous pourrez ajouter cette musique-là à vos playlists personnelles. N'hésitez pas. Et je suis désolée, je vais interrompre cet extrait musical, mais je vous invite à revenir l'écouter par la suite pour laisser la parole à Sungja qui va parler de son projet. Bonjour à tous. Je fais de la médiation numérique en langue des signes. Je m'appelle Sungja, je travaille pour l'association Combustible Numérique, qui est basée à Toulouse. C'est une association qui œuvre dans les secteurs de l'inclusion et de la création numérique. J'ai un service à vous proposer, mais avant, j'ai envie de vous raconter d'où je parle. Je connais le monde des sourds. C'est là que j'ai rencontré ma fille, il y a de cela 16 ans. Pour le comprendre, pour l'apprendre, j'ai choisi l'action. J'ai fait du bénévolat dans plusieurs associations, éducation de jeunes sourds, accessibilité des festivals de cinéma, logiciel libre, hackerspace. J'y ai appris la langue des signes, observé les personnes sourdes et discuté beaucoup. Ils m'ont parlé de leur histoire avec un grand H, des freins quotidiens, de leur désir d'être des citoyens à part entière. Et puis, j'ai ri aussi avec eux parce qu'ils ont beaucoup d'humour. Et puisque nos mondes sont intriqués de par ma fille, j'ai fait en sorte d'être une voix pour eux. Une voix pour eux, mais pas sans eux. Aujourd'hui, je suis face à vous et je vais tenter de vous faire appréhender la complexité de leur situation. Quand on parle de surdité, il y a deux interprétations possibles. La première est la vision médicale qui se focalise sur l'oreille et sa déficience, qui renvoie à une incapacité qui est perçue comme un manque et que les institutions de la réadaptation vont chercher à compenser par l'oralisation, la lecture labiale, les appareillages, l'allocation adulte handicapé, etc. Et puis, il y a une autre façon d'aborder la surdité, celle qui est issue d'un vécu, d'une expérience, et qui est de fait beaucoup plus difficile à appréhender lorsqu'on est entendant. Lorsqu'on a, comme l'exprime si bien Véro Leduc, les privilèges entendants. Véro Leduc est une chercheuse canadienne. Elle cherche sur la citoyenneté culturelle des personnes sourdes et les pratiques d'équité culturelle. Par exemple, un privilège entendant parmi d'autres, c'est s'attendre à pouvoir faire n'importe quelle activité culturelle, éducative, sportive, politique, communautaire, familiale, touristique, sans jamais se soucier de l'accessibilité communicationnelle. Je choisis cet exemple car ce privilège amène la suite de mon propos qui traite à travers l'histoire des langues des signes, des notions de communauté sourde, de culture sourde et d'identité sourde et contribue à la déconstruction du validisme, système faisant des personnes valides la norme sociale. Pour comprendre cet autre point de vue, il est nécessaire de se pencher sur l'histoire des sourds qui comporte plusieurs dates clés assez symboliques. Je vais citer 1770, date à laquelle l'abbé de l'Épée ouvre une école spécialisée pour sourds-muets, dont l'éducation est basée sur ce qu'on appelait alors les mimiques. C'est à ce moment que les premiers collectifs d'élèves sourds vont faire émerger la langue des signes, une conscience d'eux-mêmes et de leur statut dans la société. C'est aussi à ce moment qu'apparaissent les premiers lettrés sourds, philosophes, professeurs et théologiens, dont Jean Massieu, Ferdinand Berthier et Laurent Clerc. Ce premier déploiement devra se replier suite au congrès de Milan en 1880 qui porte sur l'amélioration du sort des sourds-muets où les opposants aux langues des signes vont prôner la démutilisation par l'apprentissage de la lecture labiale et de la parole. Ce congrès est un point de référence hautement symbolique qui va signer la distinction et la rupture entre le monde des sourds et le monde des entendants. Suite à ce consensus sur la supériorité de la parole comme moyen d'éducation, les instituts spécialisés voient le jour. Des milliers d'enfants sourds vont y être regroupés, ce qui va finalement contribuer à l'expansion de la communauté sourde en leur donnant la possibilité de s'organiser collectivement tout en leur donnant le sentiment d'une expérience commune.
Peu à peu se dessine alors la figure du sourd avec un S majuscule, issu des réflexions sur leurs conditions et leur appartenance à un groupe commun. Le sourd est celui qui, n'entendant rien, va développer un usage exclusif et considéré comme naturel de la langue des signes. Le corps sourd n'est plus alors uniquement porteur d'une incapacité, il est aussi porteur d'une langue. Cette langue est officiellement reconnue comme une langue à part entière, comme linguistiquement légale et comme langue d'enseignement des sourds français depuis la loi du 11 février 2005. Ce statut est confirmé par le ministère de l'Éducation nationale qui reconnaît à la langue des signes française un statut de langue de la République au même titre que le français. Dans l'approche que j'ai de mes activités de médiation, la LSF n'est pas une adaptation compensatrice, elle est ce qui me relie aux bénéficiaires sourds. Elle comporte en elle l'histoire et l'affirmation d'une identité et d'un statut. Elle comporte en elle une structure syntaxique, une logique visuelle, une manière d'informer. Elle est la reconnaissance du sourd comme sujet ethno-linguistique, une langue, une communauté. Bien sûr, dans la réalité, il n'y a pas le sourd, mais des sourds avec autant de parcours, d'histoires et de particularités, et je n'ai pas de recette pour les accompagner. Je peux cependant vous proposer des indications et des pistes de réflexion, et j'en viens donc au service que je propose, pas encore tout à fait finalisé, mais en cours. Tout d'abord, je travaille sur un document du premier pas, comment accueillir dans une structure une personne sourde, comment communiquer avec elle. Le document sera téléchargeable sur le site de Combustible Numérique et sur la base sûrement. Et puis je travaille aussi sur la proposition expérimentale d'un créneau d'échange sur rendez-vous pour répondre à vos questions ou pour vous aider dans l'accompagnement d'une personne sourde. Quand je serai prête, je lancerai une information sur LinkedIn, réseau sur lequel vous pouvez aussi m'envoyer un message en rapport avec la médiation, vos pratiques et les personnes sourdes. J'y répondrai avec plaisir. Et en attendant, merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Merci beaucoup. Et je te laisse prendre la suite, Loïc, pour présenter ton projet. Bonjour, Loïc Patner. Je suis CNFS au sein de l'association Le Numéripôle, qui est située en Meuse. Voilà, petit village rural, 750 habitants. Et donc je suis dans un tiers-lieu qui existe depuis 2011, qui faisait déjà un peu la médiation auprès notamment des personnes âgées, etc. Différentes activités, un Fab Lab, un repère café, un espace de cours. Enfin bref, il y avait beaucoup de choses. Par contre, on avait une grosse problématique, c'est qu'on avait du mal à faire venir un public jeune dans nos locaux et proposer différentes activités. Alors on le faisait, mais on allait dans les établissements scolaires, etc. On faisait du aller-vers. Mais voilà, le but, c'était vraiment de les faire venir dans notre établissement pour leur montrer un petit peu tout ce qui était possible, voilà, le Fab Lab, etc. Donc c'était un projet qui a été pensé depuis assez longtemps, etc. Et à un moment, on devait renouveler notre parc informatique parce qu'il devenait un petit peu obsolète, ça faisait 10 ans, etc. Et on s'est dit, autant voir un petit peu plus gros et prendre des PC gaming. Alors, PC gaming qui nous permettent aussi de les utiliser dans les formations au quotidien avec les personnes âgées qui viennent essentiellement, etc. Et suite à ça, on s'est dit, le jeu vidéo, ça leur plaît, on le voit bien. On va leur proposer une salle de gaming, une salle e-sport. Donc voilà, ça s'est mis en place après un petit peu de temps, etc. Et une fois que c'était mis en place, ça a eu tout de suite du succès, même un peu plus qu'on y a cru. Alors l'objectif, c'est pas simplement de les faire venir et qu'ils jouent aux jeux vidéo toute la journée. Alors bien sûr, ils font ça, mais c'est c'est de les faire venir déjà. Comme ça, ils peuvent venir voir ce qui se passe. Tiens, il y a un Fab Lab à côté, etc. Alors, la première approche pour les faire venir, c'est que quand ils viennent, alors vous pouvez voir, ils ont tous un petit t-shirt orange, etc., avec le nom de l'équipe, le Numéripôle Sport, leur pseudo, petite gourde. Et c'est eux qui vont le faire dans le Fab Lab, déjà. Donc, ça les permet de les faire venir, de découvrir, etc. Également, le jeu vidéo, c'est aussi une passion qui peut être difficile pour certaines personnes, parce que voilà, s'équiper d'un PC gaming, c'est relativement cher, etc. Donc là, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Même, il y a des personnes qui ont
ce qu'il faut chez eux, mais ils vont quand même venir ici. Donc il y a vraiment un rôle d'équipe qui se joue, d'entraide, etc. Et maintenant, j'ai envie de dire que ils ont même plus besoin de moi ou d'autres personnes, c'est-à-dire qu'ils s'autogèrent eux-mêmes. Donc en plus de les faire venir voir les autres activités, j'en profite, on fait tout le temps une petite pause, voilà, allez hop, on coupe tout, et là ça va me permettre d'intervenir pour faire vraiment la médiation numérique avec eux, c'est-à-dire bah voilà, on va parler des fake news, ah bah tiens, moi j'ai vu ça sur les réseaux sociaux, etc. Donc on en profite tout le temps, ça leur fait du bien, voilà, c'est de couper, etc., on fait une petite pause dehors, etc. Donc on les laisse quand même dans le jeu vidéo, hein, ça peut être des choses de la sorte. Et également, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois par mois, en fait, on organise un tournoi sur un jeu différent. Mais en fait, c'est les jeunes qui l'organisent. C'est-à-dire, tiens, moi, je vais faire mon tournoi sur mon jeu Valorant. Eh ben, on va l'accompagner pour faire les affiches, pour faire la communication sur les réseaux sociaux, pour faire les modules d'enregistrement, etc. Donc, ça va beaucoup plus loin. Et du coup, il y a des choses qu'on n'est pas forcément vu venir, où il y a les jeunes qui disent, ah bah, on fait le jeu vidéo, il y a un Fab Lab à côté. Est-ce qu'on pourrait pas faire une borne d'arcade? Voilà. Donc, par exemple, on est ouvert tout le samedi, le Fab Lab en même temps. Et ben, les jeunes, ils vont jouer un petit peu. Ils vont aller au Fab Lab, vont faire la borne d'arcade, etc. Ils reviennent un petit peu jouer. Voilà. Et donc, grâce à ça, ben, en un an, alors, on va dire des membres réguliers qui viennent. On est à peu près à 70 personnes qui viennent. Donc, on est ouvert le mercredi après-midi, le vendredi soir, pour toucher aussi un petit peu les jeunes un petit peu plus vieux. Et le samedi, voilà. Et donc, ça marche vraiment bien. Et c'est vrai que maintenant, bah, on a des jeunes qui venaient pour le jeu vidéo, et finalement, bah, qui font même plus de jeu vidéo, qui vont Fab Lab, qui vont bidouiller, qui vont faire plein de choses, etc. Et c'est vraiment, pour nous, une réussite. Donc, notre objectif, qui était de faire venir les jeunes dans notre tiers-lieu, bah, a été réussi. On a essayé plein de choses, mais grâce au gaming. Voilà. Merci beaucoup Loïc. Bon, bah, bonjour à tous, moi je m'appelle Sarah Lapassée, c'est marqué là. Et je dis Lapassée, hein, au cas où. Et je viens de l'UDAF de la Charente. Ça fait bientôt 2 ans maintenant que je suis à l'UDAF. J'ai fait partie aussi des premiers conseillers numériques et moi, même 2 ans après, j'entends encore parler du fameux « il faut aller vers le public, il faut aller le chercher, il faut aller vers ceux qui en ont le plus besoin ». Mais on ne va pas se le cacher, ceux qui en ont le plus besoin, on les voit rarement. Soit ils ont été découragés par leur famille, soit ils n'ont pas conscience qu'ils en ont besoin, ou encore ils ont peur de l'outil numérique. Maintenant, imaginez-vous ça avec un public qui est considéré encore tabou dans notre société. Un public qu'on passe notre temps à oublier, qui n'existe pratiquement pas. Ce public, ce sont les majeurs protégés. Les majeurs protégés, c'est 730 000 personnes en France. 730 000 personnes en France, c'est 1,06% de la population actuelle. Alors, je vous dis actuelle, c'était les chiffres de 2020. J'ai pas trouvé plus récent. Mais alors, c'est quoi un majeur protégé? Un majeur protégé, c'est une personne de plus de 18 ans, un majeur, qui, d'un état physique ou mental, ou parfois les deux, va se retrouver sous mesure de protection. Les fameuses tutelles, curatelles. Voilà, là, on met les pieds dans le plat. Et ben moi, à l'UDAF de la Charente, j'accompagne les personnes sous tutelle et sous curatelle. Pourquoi à l'UDAF de la Charente? Tout simplement parce que les UDAF, les unions départementales des associations familiales, il y en a 90 à peu près, et pratiquement les 90 s'occupent des gestions de tutelle et de curatelle. Bon, on ne fait pas que ça. Tout mon public n'est pas que des majeurs protégés, je tiens à le dire maintenant. La petite particularité que j'ai comparée à beaucoup de mes collègues conseillers numériques, c'est que moi, les démarches, je ne m'en occupe pas. Toutes les démarches administratives sont faites par les tuteurs, par les curateurs. Tout ce qui va être gestion d'argent, comment acheter des objets sur Internet ou autre, ça, on oublie. Par contre, sinon ce serait pas drôle, il y a plein d'autres choses qui viennent se greffer autour. Donc je vais peut-être commencer par vous dire comment on accompagne à l'UDAF de la Charente un majeur protégé. La première chose, c'est que c'est pas eux qui viennent à moi. Et c'est pas moi non plus qui vais faire le premier pas. Ça va être tout simplement leurs tuteurs et leurs curateurs qui vont repérer parmi leurs usagers, parmi les personnes qu'elles suivent, si certains sont intéressés pour apprendre le numérique. Quelqu'un va leur dire par exemple, j'ai acheté un nouveau téléphone, je ne sais pas m'en servir. Ah, ça tombe bien, on a une conseillère numérique. D'autres, le besoin va s'en faire sentir. Ils veulent continuer dans leur emploi parce que beaucoup de majeurs protégés ont un emploi.
Ils veulent continuer dans leur emploi, mais leur employeur leur dit bah, « il va falloir que tu passes un test de compétences numériques ». J'interviens aussi. Ça, c'est la première étape. Une fois que les tuteurs et les curateurs ont repéré ça, ils demandent bien entendu le consentement de la personne, si ça peut l'intéresser. Et si la personne est intéressée par un suivi au numérique, je vais récupérer les coordonnées et je vais les appeler. Si j'attends qu'ils m'appellent, c'est rare. Bah, on a tous notre vie, hein. Ça, on a tendance à oublier. Suite à ça, on va mettre en place l'accompagnement, on va voir les petites choses qui ne se posent pas vraiment question pour d'autres conseillers numériques. Pour moi, ça va être, est-ce que ça va être une intervention individuelle ? Généralement, c'est une intervention individuelle. Est-ce que ça va se faire à l'UDAF, dans un tiers-lieu ou à domicile ? Généralement, c'est à domicile. Et je sais que certains conseillers numériques, quand je leur dis que je fais du domicile, me disent « Oui, mais tu éloignes la personne, c'est pas bien, il faut mieux les faire venir. » Pas tout le temps. J'en viens aux freins de mes usagers. Parce que moi, mes premières séances, à part le diagnostic, je les passe à devoir repérer les freins. Et j'en ai trois grands. Le manque de confiance, pas que en soi. Ils ont un gros manque de confiance en eux, généralement, mais aussi envers les institutions. Et envers moi. Parce que moi, je viens de l'UDAF, et l'UDAF, ce sont les personnes qui gèrent leur argent. Donc j'en ai certains qui ont peur que, je sais pas, je les espionne au compte de leurs délégués, aux tutelles. Ce n'est pas le cas. Et ça me met plusieurs séances, tout simplement pour pouvoir les aider là-dessus. Le deuxième, c'est les situations de handicap. Alors, je n'ai pas la date, je crois que c'était en 2020 aussi, mais 43% des personnes qui touchent l'AAH sont sous tutelle ou sous curatelle. 70% des majeurs protégés que je suis sont dans une situation de handicap, et elles sont très variées. Ça va être physique, ça va être mental, ça va être neurologique. Toutes ces petites choses et ces différences font que l'accompagnement ne peut pas se passer de la même façon. Et la troisième, parce que sinon ça aurait été trop simple, c'est l'illettrisme. Une majorité de nos majeurs protégés à l'UDAF de la Charente sont aussi illettrés. Et je vous le donne en mille, 60% des usagers que j'accompagne à l'heure actuelle ont les trois en même temps. Donc un manque de confiance, un problème handicap et surtout l'illettrisme. Et ben dans ce cas-là, quand vous arrivez et qu'on ne vous avait pas prévenu, je peux vous assurer que c'est une partie de plaisir. Poursuivre des majeurs protégés, particulièrement dans l'accompagnement numérique, si un jour vous voulez le faire, moi je vous donnerai quatre compétences à avoir. La première, ça va être l'adaptabilité. Vous allez créer des ressources spécialement adaptées à votre public. C'est génial, c'est ce qu'il faut faire. Surprise, d'une personne à une autre, ça ne marchera pas. Parce qu'il est possible que Monsieur Dupont et Madame Durand n'aient pas du tout les mêmes besoins, mais vous ne vous en étiez pas rendu compte. Ils étaient dans les mêmes situations, tous les deux étaient par exemple malentendants et illettrés. Je suis désolée, là, ça s'accumule. Bah oui, mais ils ont aussi des goûts, ils ont une vie, et ils ont une envie qui va être complètement différente. Vous allez me dire, oui, chaque usager doit être traité cas par cas, mais là, c'est d'autant plus présent. La deuxième, ça va être la patience, particulièrement quand on aura des personnes qui vont soit avoir des problèmes dans leur vie, soit des problèmes neurologiques, soit les deux en même temps. Il y a des séances où tout se passe bien, ils apprennent super bien. La séance d'après, quelque chose s'est passé dans la semaine, ils ont tout oublié. Ce qui m'en vient à la troisième compétence, l'écoute. Si quelque chose s'est mal passé pendant la semaine, si vous ne les écoutez pas, vous ne pourrez pas continuer la séance. Il faudra qu'ils se déchargent. Partez du principe qu'encore une fois, les majeurs protégés en France, c'est mal vu. Quelqu'un qui est sous tutelle, c'est que tu as fait quelque chose de mal. Ou que tu es handicapé. Et on sait bien que les handicapés savent pas s'occuper d'eux, voyons. C'est ironique. Hein. Eh ben non. Ces personnes, ce sont des gens comme vous et moi. Il y a certaines personnes qui se font mettre sous tutelle et curatelle d'elles-mêmes, d'ailleurs, parce qu'elles savent qu'elles ne pourront pas gérer leur argent, le côté administratif des choses. Si vous n'êtes pas capable de les écouter à cet instant, et je peux vous dire que c'est dur parfois parce que vous entendez des choses affreuses, vous ne pouvez pas continuer l'accompagnement. Vous aurez face à vous quelqu'un qui va avoir un nouveau refus. Vous allez avoir une coquille vide. Beaucoup de mes collègues me disent « Oui, mais il faut quand même couper à un moment. Bah, » Pas dans le cas d'un majeur protégé. Partez du principe que la plupart d'entre eux n'ont pas forcément des personnes pour les écouter. Tout ce qu'ils peuvent voir, c'est soit des proches qui peuvent être en colère contre eux pour diverses raisons, soit des professionnels comme des psychologues et autres. Et bien entendu, nous ne sommes pas des psychologues, mais nous sommes des êtres humains. Et la dernière, c'est la compassion. Comme je vous le disais, vous allez entendre des choses affreuses. Vous allez entendre des personnes qui ont fait de la prison pour les pires raisons qui soient. Qu'est-ce que je fais ? J'arrête l'accompagnement parce que
sa façon d'être et les choses qu'elle a pu faire dans son passé, qui ne correspondent pas forcément à la personne qu'elle est à l'heure actuelle, ne me déplaisent ? Est-ce que je vais arrêter pour ça ? Vous pouvez. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Mais si vous voulez accompagner des majeurs protégés, il faut partir du principe que vous tomberez aussi face à des gens qui n'ont pas les mêmes opinions que vous de façon très tranchée, qui n'ont pas la même façon d'être que vous, et qui peuvent parfois avoir fait des choses absolument infâmes. Mais ça reste des êtres humains, et il faut leur laisser le bénéfice du doute. Et nous, en tant que professionnels, bah, on est là pour leur apprendre le numérique. Donc, bah, de temps en temps, notre conscience personnelle, on doit la ranger dans sa poche. Donc, en conclusion, je vous dirais que c'est un public qui est majoritairement invisible. Je pense qu'on doit se rapprocher de la centaine de personnes dans cette salle. Donc, regardez autour de vous. 1%, ça voudrait dire que potentiellement, quelqu'un d'entre nous serait sous tutelle ou curatelle, voire plus. Et pourtant, vous n'en entendez pas parler tous les jours. Pas comme le handicap. Pas comme les gens du voyage. Pas comme les personnes âgées, surtout. Eh bah, si. Donc, c'est un public qui est majoritairement invisible. C'est un public qui a envie d'apprendre. Mais soit ils ne savent pas qu'ils ont le droit, c'est vraiment ça, soit ils n'osent pas. Ils passent leur vie à être jugés pour des choses que les personnes ne connaissent pas et ne comprennent pas. Vous n'auriez pas envie non plus. C'est un public qui a besoin d'écoute, de temps. Vous faites un accompagnement très long avec des majeurs protégés, particulièrement quand ils sont en situation de handicap. Il faut vous adapter. C'est un public dont vous apprenez beaucoup. Et surtout, si quelqu'un continue de me dire qu'il faut aller vers les publics qui en ont le plus besoin, bah, pourquoi pas les majeurs protégés ? Merci beaucoup, Sarah. Bonjour à toutes et à tous. Prisca Raber-Izafi, donc conseillère numérique France Service à la Ligue de l'Enseignement. La Ligue de l'Enseignement de l'Ariège, c'est un mouvement d'éducation populaire qui œuvre dans tout ce qui est citoyenneté, laïcité, dans tout ce qui est numérique éducatif. Donc, notre projet, c'était vraiment par rapport à l'accompagnement des seniors. La Ligue de l'enseignement est plus centrée, les projets centrés sur les jeunes, sur le milieu scolaire. Vous avez devant vous donc des chiffres, j'avoue que c'est un peu fourre-tout, mais c'est un département donc situé à la frontière espagnole avec un fort taux de personnes âgées. Notre approche, c'était vraiment une médiation numérique, une territorialisation de la médiation numérique. C'est-à-dire que je suis itinérante, j'interviens dans deux communautés de communes, au sud de l'Ariège, la communauté de communes Haute-Ariège, et au nord, donc c'est qui se rapproche plus de Toulouse, la communauté de communes Porte d'Ariège-Pyrénées, là où il y a Pamiers, pour certains qui le connaissent, c'est le poumon économique de notre cher département. Première démarche, donc, vu que c'est deux communautés de communes, il fallait aller vers les élus et les maires. On a toqué à toutes les portes, ils étaient réfractaires. C'est pas leur priorité, on peut le comprendre, mais ça a été quand même un peu décevant. Ils ont quand même ouvert la porte, j'ai pu rencontrer certains maires, certains élus, mais ça s'arrête à ça. Le téléphone, il ne sonne pas tout le temps. Après cela, donc, on s'est aperçu, allez, on va aller vers le milieu associatif. Donc, on a noué un partenariat avec le Club des aînés ruraux, avec le centre CLIC, vous connaissez tous, c'est le centre local information coordination qui s'occupe donc des personnes âgées à domicile, et etc. Parce que notre leitmotiv, c'est vraiment unir, c'est notre force. Donc, chercher le maximum de partenariats. On a été labellisé, on a été lauréat donc de la CARSAT Midi-Pyrénées, qui nous a vraiment aidé à instaurer deux temps. D'abord, donc, je viens en réunion d'information, une fois donc que je sais qu'il y a des inscrits sur les ateliers. Il y a un questionnaire en amont, un questionnaire des usagers, je l'appelle, pour recenser un peu leurs besoins et pour connaître un petit peu aussi leur niveau. Ça peut être grand débutant, les personnes qui n'ont jamais touché d'ordinateur depuis plus de 10 ans, voire 25 ans. Je parle toujours des seniors.
Il y a aussi d'autres niveaux, donc je dirais débutants dans leur vie active antécédente, ils ont touché à un logiciel, mais ils ont arrêté une fois à la retraite. Et bien sûr, donc il y a des personnes intermédiaires, voire avancées. Et ce qui m'a interpellée, c'est qu'il y a des personnes qui sont quand même débutants. Il y a vraiment un engouement avec le logiciel Excel. Donc je me suis posé la question, pourquoi cet engouement vers Excel ? Et là, donc, mon rôle, c'est vraiment de sensibiliser comme quoi il y a les logiciels libres, entre guillemets, open office avec Calc ou quelque chose comme ça. Mais c'est vraiment un engouement et il y a eu un club. Bon, c'était compréhensif. Ils voulaient se lancer dans tout ce qui est comptabilité. Donc, ils avaient ce besoin-là. Et imaginez-vous, un groupe de 8 personnes maximum. Ils n'avaient pas le même niveau, mais par contre, oui, la présidente du club voulait absolument faire de l'Excel. Donc, imaginez-vous, vous venez, donc déjà, il y a certains qui savent même pas ce que c'est. Enfin, vous apprenez la base, mais à un moment donné, donc on verrouille le format, c'est 6 séances de 2 heures, c'est un choix qu'on a fait. Et ben là, il y a la présidente après, ben oui, on n'a pas trop fait. Je parle des tutoriels, je leur montre comment faire. Certes, ce sont des personnes qui sont limitées, certaines. Donc, ils savent pas regarder un tutoriel et en même temps pratiquer. Mais mon rôle, vraiment, c'est de ne pas trop aller vers cette technicité qui demande. Mais n'empêche que, bon, heureusement, donc l'espace COP avec tout ce qui est à la base, il y a vraiment des chouettes, tout ce qui, par rapport, il y avait un conseiller numérique fonds service qui a monté donc un atelier sur les bases de l'Excel. Bah, je suis très, prenante parce que c'est une évolution que j'aimerais bien faire. C'est vraiment créer quelque chose, une ressource motivante et inspirante avec ce public, parce qu'il faut savoir qu'il faut les motiver. Il faut connaître leur centre d'intérêt. Donc la réunion d'information, ça sert à quoi ? Ça sert à savoir. À tester Internet, parce que imaginez-vous donc un département éloigné de tout, entre guillemets, des zones montagnardes, enclavées. Oui, on a Internet. Vous arrivez, non, apparemment, c'est pas encore fonctionnel. En fait, vous arrivez et vous solutionnez. C'est comme si, heureusement, dans ma vie antécédente, j'étais chargée d'études fibre optique. Je connais très bien tout ce qui est Internet, tout ce qui est réseau, connexion. Mais bon, on s'est dit, oui, ça m'a servi quand même, cette expérience-là. Qu'est-ce que je pourrais dire aussi des anecdotes ? C'est que ça fait vraiment du baume au cœur d'avoir des retours des personnes que, grâce à toi, Prisca, je ne suis plus réfractaire. Je peux communiquer avec mes enfants, mes petits-enfants. Ça, c'est vraiment un plus. Ça me motive. J'imagine aussi mes autres collègues CNFS un peu partout en France. Et il y a des freins, le frein psychologique dont on parle tout le temps, la peur de cliquer partout, la peur d'être bloqué, que ça explose même. Donc là, on a vraiment besoin de compétences psychosociales qu'on n'a pas eues dans notre formation. C'est pas une critique, mais n'empêche qu'on a vraiment besoin de cet appui-là. Parce que la capacité d'adaptation dont parlait ma collègue tout à l'heure, ça demande vraiment une capacité à être vraiment prêt à être patient, et c'est pas donné à tout le monde. Le blocage psychologique, on n'est pas psychologue, tout à fait, je suis entièrement d'accord. Il faut vraiment qu'on ait ce petit plus-là dans les prochaines, formations. Et bon, pour conclure, je dirais que en quoi c'est surprenant le fait de changer de public cible, de partir des jeunes ou des enfants dans le milieu scolaire pour attaquer vraiment les projets à destination des seniors, ça a été vraiment un défi et un challenge. Ce public qui est dans la précarité financière des fois, dans la précarité relationnelle aussi,
Ils ont vraiment besoin de nous et le fait juste d'être là, le fait juste d'écouter, ça m'est arrivé de faire pendant 2 heures, d'écouter juste leur tracas quotidien. Et oui, je suis là pour, même si c'est pas le numérique, c'est un volet social qu'il ne faut pas négliger. On est là pour ça, les conseillers numériques font service. Merci de votre attention. Merci beaucoup Prisca et je laisse la parole à Aurélie. Bonjour, je suis Aurélie Nibaudot, conseillère numérique France Service à la Maison des services au public de l'île d'Oléron. Alors depuis mes premiers ateliers numériques, je propose les exercices ludiques des bons clics, comme tout le monde. Et très vite, j'ai constaté que la ludopédagogie favorise la montée en compétences sur le numérique lors d'un temps vraiment très agréable. Alors du coup, j'ai eu envie de mettre un peu de fun dans mes ateliers et j'ai souhaité réenchanter tous mes accompagnements. Et l'idée est venue de créer un escape game d'initiation au numérique à l'occasion des Portes ouvertes France Service en octobre 2022. 58 personnes ont participé à l'aventure, donc cet escape game a connu un réel succès, et plus encore, en fait, il a permis à des personnes d'être plus autonomes sur le numérique. Encore aujourd'hui, je mesure l'impact et les résultats. Alors je vous propose dès maintenant de plonger dans notre retour d'expérience en images. Donc ce jeu a vraiment été créé avec la volonté de rendre l'apprentissage numérique passionnant, interactif grâce à des défis stimulants et le tout décliné autour des compétences numériques devenues essentielles aujourd'hui pour la vie citoyenne, personnelle et professionnelle. C'est un jeu où les participants vont tester leurs connaissances numériques et également développer de nouvelles compétences grâce à l'apprentissage par l'erreur. C'est un jeu qui est accessible à tous, même aux novices, également aux personnes en situation de handicap, puisqu'il n'y a aucun déplacement à prévoir à la recherche d'indices. Donc pour les personnes à mobilité réduite, c'est un jeu voilà, qui se réalise en ligne. Alors, pour vous faire court au niveau du scénario, les participants se retrouvent plongés au cœur d'une cyberattaque de type ransomware en cours à la Maison des services au public de l'île d'Oléron. Et là, ils sont mis au défi par les pirates. Ils doivent résoudre des énigmes informatiques, braver des pièges pour espérer obtenir la clé de déchiffrement qui stoppera cette cyberattaque. Donc là, l'enjeu est énorme, vous avez tous compris. Voilà. Donc les participants en binôme ou en équipe sont invités à réaliser 6 missions. Alors, on commence avec la première mission qui est un question pour un champion spécial culture numérique et découverte de l'environnement Windows. On continue avec déchiffrer des lettres pour la saisie de caractères au clavier. On poursuit avec un qui veut gagner des millions pour la navigation web en toute sécurité. On enchaîne avec n'oubliez pas les paroles pour écouter les conseils avisés en matière de cybersécurité. Avec 30 millions d'amis, on explore la messagerie électronique.
Et on termine par une carte au trésor sur l'île d'Oléron. Petit placement de produit, au passage. sur cette carte au trésor, des pionniers du numérique vont devoir réaliser des démarches administratives en ligne. Alors, pour créer cet escape game, j'ai repris tous les mécanismes propres au jeu. Alors, déjà, j'ai proposé un scénario dans lequel les participants tiennent le rôle capital. Ils ont le rôle du sauveur, du super-héros. Tout au long de l'escape game, ils visualisent leur progression, voilà, pour stimuler l'envie d'aller jusqu'au bout. À chaque mission réussie, une nouvelle épreuve est débloquée et ils doivent relever un nouveau challenge. Ils sont félicités après chaque bonne réponse et il y a un diplôme qui valorise le parcours. Les participants vont aussi s'enrichir de nouvelles connaissances, apprendre de leurs erreurs grâce à un système d'indices. Il y a aussi la possibilité de retenter leur chance à l'infini pour ne pas être bloqués dans le jeu. Alors, ce que j'ai pu constater à travers l'expérience Escape Game, c'est qu'en plaçant les participants dans un rôle, dans une situation de rôle, c'est que tous les participants ont naturellement fait preuve de curiosité. Aussi, en situation de jeu, l'erreur n'a pas de conséquences. Et lors de cette expérience, tous les participants ont osé plus facilement réaliser des actions, prendre des risques, sans avoir cette peur de faire une bêtise sur l'ordinateur qu'on connaît tous auprès de nos usagers. Le jeu a permis de favoriser la cohésion de groupe et surtout a renforcé leur sentiment de compétence. Nombreux ont été très fiers de finir cet escape game. Grâce au défi, tous les participants ont été très impliqués. Le jeu a favorisé la mémorisation et la compréhension, notamment grâce à la sollicitation des différents canaux sensoriels, visuels, auditifs et kinesthésiques, qui sont indispensables à l'ancrage des connaissances. Et c'est ce qui permet notamment à des participants qui ont testé l'expérience il y a déjà maintenant un an, ça leur permet par exemple de me citer la bonne pratique préconisée par Cybermalveillance, bonne pratique entendue dans l'escape game il y a quand même un an. Donc, on voit que c'est vraiment par le jeu qu'ils ont beaucoup mémorisé. Je terminerai avec un autre intérêt que j'ai pu constater avec cet escape game, pas forcément côté usager, mais côté partenaire. Je suis ravie que cet escape game ait fait naître l'enthousiasme du côté de mes partenaires dans mon département. Puisqu'il y a un réel engouement depuis cet escape game. Il y a des escape games qui sont créés dans le département de la Charente-Maritime. Et ça, je trouve que c'est une belle initiative. Voilà. Donc cet escape game sera accessible sur la base à l'issue du NEC. Et j'espère qu'il favorisera vraiment la montée en compétences de vos usagers lors d'un temps distrayant, très agréable. Et je reste à votre disposition pour toute suggestion d'amélioration, retour d'expérience aussi. Et voilà. Donc, en tout cas, je vous remercie beaucoup et j'espère que vos usagers vont apprécier. Merci. Merci beaucoup. Et je passe la main au dernier binôme. Non, je te laisse. Bonjour à tous. Donc Arnaud Léchit, chargé de mission inclusion numérique à la Fibre 64 et... Richard Giannini. Oui, bonjour à tous. Donc Richard Giannini, conseiller médiateur numérique à la Fibre 64. Donc nous, on va vous présenter le journal des fake news, donc un projet d'éducation aux médias et à l'esprit critique. Ce projet, il a été lauréat de l'AMI Outiller la médiation numérique.
Et il est porté par le département des Pyrénées-Atlantiques, le syndicat mixte La Fibre 64, sur le territoire des Pyrénées-Atlantiques. Alors, ce projet du journal des Fake News, il a été conçu après deux constats, deux études qui sont parues et qui ont montré que les seniors étaient ceux qui partageaient le plus les fake news et que les collégiens, les jeunes, étaient ceux qui vérifiaient le moins les sources d'informations. Donc, on est parti de ce constat et on s'est dit on va aller faire quelque chose pour leur donner les bons repères, les bonnes pratiques pour lutter contre ça. On s'est appuyé sur deux principes pédagogiques pour ça. On s'est dit, d'abord, il faut leur expliquer comment sont construits les fake news, comment est construite l'information, aller vraiment au cœur. Et ensuite, on s'est dit, ils vont faire. C'est-à-dire qu'en faisant, en créant des fausses informations, en créant des infos, on apprend qu'on est capable de le faire, et donc que n'importe qui est capable de le faire. Donc on va amener de la vigilance sur tout ce qu'on voit. Donc ça, ça a été nos deux principes pédagogiques. Et on a donc déployé ce dispositif sur deux ateliers pour les collégiens et deux ateliers pour les seniors. Un atelier où on va comprendre comment écrire une fake news, qu'est-ce qu'une information, quels sont les biais cognitifs qu'utilisent les créateurs de fake news pour nous faire croire, pour nous faire partager ces fake news. Et ensuite, on va avoir un autre atelier qui, lui, est dédié à la création d'informations ou de fake news, que ce soit pour les collégiens ou pour les seniors. Ils vont donc créer des infos, des infox, et ensuite ces infos et ces infox vont être partagées en ligne sur un journal pédagogique que vous pourrez retrouver, le journaldesfakenews.fr. Et ici, on va demander aux lecteurs, aux visiteurs, de venir, pour chaque article, dire si c'est une info ou une fake. Et à ce moment-là, on aura une explication des mécanismes qui sont parus, une explication des auteurs, mais aussi des médiateurs, qui amèneront vers des ressources en ligne, mais au moins qui expliqueront ce qui s'est passé. Je vous invite à y aller, vous allez les voir, il y a des articles assez sympas, et certains qu'on croit fake, c'est pourtant des infos, c'est vraiment très bien fait. L'idée de ce journal, elle est là pour le public, mais on l'a construit aussi pour et par, avec les CNFS du territoire. L'idée, c'était, nous, sur notre territoire, on a des conseillers numériques, on sait qu'ils ont une formation de base, et je ne vais pas en reparler de cette formation, mais il y a peut-être des domaines de compétences où ils doivent peut-être monter en compétences, et notamment les fake news. Donc on a décidé, nous, d'associer les conseillers numériques, mais Richard va en parler après, directement dès la création des principes pédagogiques, en les incluant dans les groupes projets, que ce soit Richard qui a la fibre ou que ce soit Elisa sur le premier territoire de test qui était la communauté de communes de la vallée d'Ossau. Donc c'était vraiment les faire rentrer dans ce schéma de projet, dans ces compétences. Mais Richard, tu peux peut-être en dire un petit peu plus là-dessus, vu que tu l'as vécu de l'intérieur. Oui, merci Arnaud. Donc effectivement, j'ai eu le privilège et le plaisir de travailler sur ce projet Fake News. Donc, qui s'est déroulé, comme tu l'as dit, dans la CCVO, c'est-à-dire la vallée d'Ossau, dans les Pyrénées. Nous sommes intervenus auprès de deux collèges, à La Reims et à Rudy. Et effectivement, en tant que conseiller médiateur numérique, moi, c'était un projet qui était très intéressant, parce que d'une part, je connaissais assez bien les publics, déjà les deux publics, puisque je suis amené à faire de la médiation numérique, principalement dans des territoires ruraux. Et donc j'ai face à moi souvent, très souvent, bien que ce soit des ateliers ouverts à tous les publics, j'ai beaucoup de seniors qui viennent me voir. Donc c'était un public déjà que je connaissais bien. Et j'interviens par ailleurs dans les collèges auprès des 6e et les 5e dans le cadre d'actions éducatives en termes de citoyenneté numérique. Donc c'était également un collège que je connaissais très bien et je trouvais super justement que ce projet comme ça permette de concilier sur un sujet donné, par ailleurs très pertinent, la problématique des fake news, de travailler d'une part avec les seniors et avec les collégiens. Donc sur le projet en lui-même, effectivement, en plus, ça a permis de co-construire, de travailler ensemble. On est passé en mode projet, ça m'a permis de travailler et de découvrir avec d'autres conseillers médiateurs numériques sur le territoire, en l'occurrence Elisa qui travaillait donc sur la vallée d'Ossau. Et ça nous a permis d'échanger des retours d'expérience, des pratiques et d'apprendre un petit peu à mieux connaître le territoire des uns et des autres et donc à construire des actions communes sur ces territoires-là. Et puis ça m'a permis également de monter en compétence en ce sens que les fake news, c'était un sujet que je connaissais un petit peu comme ça, mais que je n'avais pas spécialement creusé. Et
qui est bien sûr extrêmement pertinent dans la société numérique dans laquelle nous vivons, forcément. Et lorsque j'interviens en atelier également dans les collèges, c'est une thématique bien sûr qui touche de plein fouet les jeunes collégiens. Et donc c'était vraiment un projet qui m'a permis moi-même de travailler sur ce sujet-là, de développer, d'élaborer ensemble, conjointement, donc des objectifs pédagogiques par rapport à ce sujet, donc des fake news. Et ça m'a permis également de découvrir plein d'autres aspects, puisqu'on a, pour ce projet-là, donc construit un site internet sur WordPress, le journal des fake news. Et donc, lors d'un retour et d'un débrief en collège, on a montré justement aux collégiens comment ça va se passer un petit peu. Tous les articles qui ont été publiés sur le site, on leur a montré un petit peu toute la partie admin d'un WordPress pour leur montrer un petit peu comment, de la création qu'ils avaient fait concrètement, comment ça se retrouvait en ligne sur un site internet. Voilà. Donc, ça a été vraiment un sujet très enrichissant à tous les niveaux, qui, je crois, a beaucoup plu également aux jeunes, aux seniors, et ainsi qu'aux collégiens. Et parce que, je pense que c'est un projet qui est amené à essaimer donc, sur le territoire. Et je pense que Arnaud va encore nous dire peut-être deux mots là-dessus. Oui, merci Richard. En effet, c'est un projet qu'on va essaimer cette année sur deux autres territoires des Pyrénées-Atlantiques. Et l'idée, elle est encore là, de s'appuyer sur les conseillers numériques présents sur le territoire. Ça va en prendre 5, en fait, sur notre territoire. L'idée, elle est aussi de créer du lien sur les territoires et de créer de la présence et d'appuyer la position et la connaissance des conseillers numériques sur les territoires. Avec cette thématique des fake news, on va peut-être toucher des publics qui ne touchent pas forcément sur leur accompagnement de base, et ainsi on va pouvoir faire en sorte qu'ils soient identifiés sur leur territoire et qu'ils créent du lien. L'idée, c'est pas juste de faire du one shot, c'est aussi qu'on ait un relais sur le territoire grâce aux conseillers numériques. Donc un projet qui a été fait par les CNFS en partie, par des chargés de mission aussi, mais qui permet aussi d'accroître leur visibilité, de les faire monter en compétences, et pour le public d'avoir un outil assez ludique pour comprendre les fake news. Ce projet-là, on est en train de le documenter pour bien sûr mettre tous les contenus pédagogiques dans la base, afin que les autres territoires puissent s'en servir très récemment. Si vous voulez participer, vous pouvez aussi nous appeler, on est en train d'évoquer, pourquoi pas, de mettre une partie le reste du monde, puisque la Bretagne nous a déjà sollicité Rennes pour créer des articles, et on sait que la Bretagne, c'est un peu le reste du monde. Petit jeu de mots pour en discuter avec mes collègues bretons hier soir. Voilà. On a des petites cartes de visite à vous donner à la fin, si vous voulez, pour le journal des fakes. Moi, je vous remercie de nous avoir écoutés. Richard, un mot, quelque chose ? Non, je vous remercie. Je vous invite à aller voir le site, voilà, qui est vraiment sympa. Merci. Eh bien, merci beaucoup à tous pour votre attention. Merci à vous tous pour les super projets que vous nous avez présentés. Je vous invite à la suite de cet événement, si vous êtes d'accord avec ça, à peut-être aller poser des questions, aller parler de ça, parce que je pense que vous avez tous envie de partager sur vos projets et vous avez sans doute plein de questions hyper intéressantes à poser. Voilà. Donc je vous invite à faire ça autour du repas ou de la plénière, de tout ce qui va se passer bientôt. Et encore une fois, merci d'être venus ce matin. Et bonne fin de bec. Thank you.